Et peut-être il était sous l'ombre de la baraque, le baraquement 34, ouais. Hein, où nous venons de passer. C'était justement le baraquement défense. Oui. Là, on est dans l'infirmerie. Ceux qui ont les tenues rayées sont les infirmiers et les autres sont les malades. Il a enveloppé l'appareil dans un papier journal. Il a juste fait un trou pour l'objectif, évidemment, et un trou pour la molette. Il ne voyait pas, il ne visait pas quand il faisait la photo, c'est très important. Il a fait la photo avec son corps et pas avec son œil. Donc peut-être que petit à petit, il est devenu de plus en plus hardi dans son activité de photographe clandestin. Oui, c'est qu'on constate exactement chez lui, mais on sait à quel point c'était dangereux. Moi, je suppose que c'est à peu près à cet endroit-là, en fait. Et donc là, il y avait une ouverture pour qu'il puisse faire la photo. Ici, il y avait aussi des ouvertures de ventilation ou au contraire servant à mettre le cyclone B. Tutaj w tej ścianie. Il y en avait deux ici dans ce mur. A trzeci był w komorze gazowej. Et le troisième était déjà dans l'autre chambre à gaz. Et si on pouvait reconnaître un visage, si on pouvait identifier une de ces femmes, cette image serait irregardable.